Nous avons des innombrables types de balafons, mais cette diversité, parfois, bien qu'étant une richesse, révèle quand même des problèmes de communication entre les balafons en Afrique. Parce que, étant accordés autrement les uns les autres, ils jouent difficilement, ou alors même c'est même impossible, qu'ils jouent ensemble un morceau de façon juste. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, il y en a plusieurs, et sont accordés autrement. C'est comme ça que le balafon chromatique est donc une proposition de résolution de ce problème, parce qu'en un seul, nous pouvons répertorier les modes des autres, à quelques intonations près. Alors là, nous avons sous ma présence un balafon chromatique de Fa 2 à Fa 5, et ça me permet d'avoir réuni les trois registres, grave, médium et aigu. Alors avec cet instrument, présenté comme la synthèse donc des autres balafons, au lieu d'avoir un conteneur de balafons différents, je peux avoir tout simplement un seul balafon et avoir les autres là-dessus, et donc pouvoir jouer des répertoires de balafons différents. Alors ça, par exemple, c'est un répertoire de balafon appelé djomlo. Alors c'est un xylophone à six lames. Alors ça, par exemple, nous sommes en présence d'un balafon pentatonique. Et ce type de balafon, on le rencontre beaucoup plus dans la région Mandingue, en Afrique de l'Ouest. Alors là, on est en présence d'un menjan, voilà, d'Afrique centrale. Avec des techniques empruntées aux xylophones un peu plus anciens, tels que le marimba et le vibraphone, nous avons la technique à quatre baguettes que nous pouvons appliquer. Alors, la façon d'attraper les quatre baguettes est une façon en général très pratiquée déjà. Avec le marimba et le vibraphone. Alors, il est à noter qu'en Afrique, nous avons des peuples qui utilisent quatre baguettes, par exemple au sud du Tchad. Mais ces quatre baguettes-là, en général, sont faites pour accentuer des dissonances. Pas pour les harmonies. Nous pouvons utiliser maintenant, avec les harmonies empruntées au marimba et au vibraphone, sur la possibilité vraiment de nous accompagner nous-mêmes. Que ça, il y a alors d'autres choses, il y a des transpositions, je peux. Je peux faire des improvisations. Et ainsi de suite. Et les appoggiatures.
Et cela ne m'empêche pas d'expérimenter les différentes sortes de timbres sur le balafon, c'est-à-dire les différentes sortes de baguettes, par exemple. En liège, ça me permet de jouer, par exemple. Et tout ça, c'est des effets différents selon ce qu'on veut rendre. Et là, c'est beaucoup plus pour une utilisation professionnelle, une utilisation de créativité. Nous avons la possibilité, donc, de créer l'ambiance que nous voulons. Même pour des partitions créées pour orgue ou piano, même des partitions classiques à quatre voix, tout est possible avec le balafon chromatique, par exemple. Dernier né des claviers standards, des claviers à percussion, et est donc un instrument qu'il faut absolument non seulement acquérir en termes d'instrument en lui-même, mais également il faut se l'approprier en termes de connaissances et de pratiques, parce que on peut l'utiliser dans tous les univers musicaux et dans toutes les formations, que ce soit en solo, que ce soit en orchestre moderne, que ce soit un orchestre classique, carrément dans l'ensemble des instruments de percussionnistes, que ce soit dans des formations plus sacrées ou des formations plus modernes, je vous le recommande très, très, très vivement dans toutes les formations musicales et toutes les institutions musicales actuelles. Merci beaucoup.